Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mec, c'est censé être Jumbo Josh, ça, ça n'a aucun sens! Les amis, en ce moment, on n'a plus trop de nouvelles sur Garten of Banban chapitre 4. Et pour patienter, les amis, vous savez quoi? Eh ben, on va faire des arnaques de Garten of Banban chapitre 3. En attendant le chapitre 4, les amis, regardez ce que j'ai téléchargé. J'ai téléchargé des arnaques. On a Banban Kingdom, on a Merge Banban, on a Save Banban, et on a un Garten Van Gan. Bon, le frérot, je pense qu'il a chopé le Covid. Il ne ressemble littéralement à rien. On dirait de la pâte à modeler, les amis. Bref, on va jouer à ces 4 jeux. J'espère que je ne vais pas me faire hacker mon PC. J'espère que mon PC ne va pas surtout exploser. Par contre, ce que tu peux exploser, c'est la barre de pouce bleu. N'hésite pas à poser ton petit like. Bref, nous, on est parti pour faire ces arnaques. Je pense que ça va ressembler à rien. Ça va être totalement n'importe quoi. Mais écoutez, on est là pour rire. Donc, on va tester tout ça dans cette vidéo. J'espère que tu es prêt, mon petit guide, derrière ton écran. Let's fucking go! Les amis, on va commencer par celui qui est tout à droite. Je parle bel et bien de Merge Banban. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un Jumbo Josh juste ici. Et à côté, il y a un alien. Je ne sais pas qui il est. Il s'appelle Bertrand. Il s'appelle Franck. Il s'appelle Bernabé. Je ne sais pas du tout, les amis. Mais écoutez, on va cliquer dessus pour voir ce qu'il en est. J'ai très très peur, les amis. Je suis arrivé sur le jeu, les amis. Et apparemment, on doit contrôler un Jumbo Josh bleu. Je ne sais pas du tout à quoi on est en train de jouer. Mais ça n'a littéralement aucun sens. Mais écoutez, il y a marqué appuie pour bouger. Waouh! Wow, 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 avec ça. Incroyable. Wow, attends, mais mes frères, wesh. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mais attends. On a contrôlé un Jumbo Josh, on a ramené un pote Jumbo Josh, et là on va devoir se combattre contre un Jumbo Josh bleu et un Opila Bird vert. Ça n'a aucun sens. Si j'appuie sur fight, qu'est-ce qui se passe? Wow, mais attends, mais on fait vraiment une vraie bataille. Allez les Jumbo Josh, défonce-lui, c'est grand mort. Non, j'ai un Jumbo Josh qui s'est fait tuer. Voilà. Oh, j'ai eu chaud. C'est passé à ça de se faire tuer. J'avais qu'un. Mais il fait une danse Fortnite. Jumbo Josh, tu ne dois pas faire une danse Fortnite, c'est n'importe quoi. Level 2, c'est parti les amis. Je pense qu'il faut attraper les... En fait, je pense qu'il faut attraper les Jumbo Josh. Venez là, mes petits Jumbo Josh. Attention. Bam, bam. Non. Non. J'ai pas fait exprès. You lose. Mais c'est ta mère qui lose. Non, mais... Les amis, je n'ai vraiment pas fait exprès. Bon, on recommence, les amis. Mais c'est pas évident. Regardez, je peux faire... Attends, ouais. Mec, attends. Ok, j'en ai chopé 2. Là, je vais pas faire le con. Hop, hop, hop. Oh, j'en ai chopé 3. Oh, mais là, c'est sûr et certain. Là, je vais les défoncer. Regardez le Jumbo Josh vert, là, en costard cravate. Je ne sais même pas pourquoi il est en costard cravate, les amis. Mais c'est pas grave. On va aller le défoncer, c'est grand mort. Voilà, on est en train de le mêler. Voilà, putain, mec, j'ai l'impression que je fais un mode Minecraft où je mets en confrontation les personnages de Garten of Banban. Mais non, les amis, c'est sûr un jeu. Et là, ils font toujours une danse Fortnite. Voilà. C'est très important, les amis, de faire une danse Fortnite sur un jeu comme ça, Garten of Banban. Bon, ça n'a littéralement aucun sens, les amis. C'est parti, les amis. Le level 3. Oh, mes petits kiki, venez pas ici. Hop là. Merci pour toi. Hop. Ok. Je pense que j'en ai pas mal. Je pense que j'en ai suffisamment. Oh, mais là, c'est sûr et certain. Non, mais regardez ce que j'ai, les amis. Ça n'a aucun sens. Allez, c'est parti. On se bat. Mais attends, mais mec, il y a un Stinger Fin de toutes les couleurs. Il y a un Opila Bird qui est derrière qui nous balance des trucs. Allez, défoncez-les, mes petits Jumbo Josh. On est en train de se faire défoncer. Mais je suis en train de me faire défoncer. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi je suis en train de me faire défoncer? Mais you lose, mais c'est ta mère qui lose. Mais les amis, non mais c'est pas possible. Attendez, attendez, je veux recommencer, mais ça n'a aucun sens. Donc c'est-à-dire que je dois pas me fail, je dois récupérer tous les trucs. Mais attendez, mais pourquoi je suis level 1 aussi? Attendez, attendez, attendez. Je fais ça, hop, 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 hop. Ok, mais j'en ai récupéré que 2. Mais je ne comprends rien, les amis. Ça n'a littéralement aucun sens. Mais regardez, les trucs sont pleins là. Je ne comprends rien, mais j'appuie sur tout. Je ne comprends rien. J'appuie sur fight et on est le même nombre que tout à l'heure, donc on va se faire défoncer. Allez, défoncez-les, mes amis. Défoncez-les, mais ouais, mais je vais me faire défoncer. Les amis, mais je ne peux rien faire si j'appuie sur... Oh, on a encore 3. Allez, défoncez le Stingerfin. Mais ouais, mais c'est... Allez, les amis, je suis désolé, mais ce jeu n'a littéralement aucun sens. Bon, les amis, le jeu auquel on était en train de jouer était littéralement catastrophique. Ça n'avait littéralement aucun sens. Il y avait des personnages de Garten of Banban qui avaient des couleurs différentes, qui se combattaient contre des autres personnages de Garten of Banban. On avait une armée de Jumbo Josh bleu. Bon, ne me posez aucune question, je n'en sais rien. Écoutez, les amis, on va jouer à Garten Van Gan. C'est le jeu qui, je pense, n'a vraiment aucun sens des 4, celui qui a le moins de sens. Donc, écoutez, on va cliquer dessus et j'ai très peur de ce qui va se passer. Écoutez, on va cliquer pour savoir ce qui se passe. Mais j'espère que mon PC ne va pas exploser, les amis. Les amis, je viens d'arriver dans ce jeu qui n'est absolument pas Garten of Banban. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais wesh, mais attendez, mais les amis, on n'est pas du tout dans Garten of Banban. Enfin, on a l'impression qu'on est quand même dans Garten of Banban parce que c'est le même truc avec le couloir. Ici, normalement, il y a Michel le drone. Et là-bas, il y a des tables, etc. Est-ce qu'il y a toujours des tables? Oui, il y a des tables. Bon, c'est une salle de classe. Écoutez, je pense que ils ont vu Garten of Banban. Ils se sont dit, ok, c'est stylé. Maintenant, j'ai envie de faire version pour les bébés. Parce que je suis désolé, mais ça, on dirait des petits monstres que tu vois sur les chaînes de télévision là quand j'étais petit. Donc, un Garten of Banban. Mais attends, mais ça, on dirait un monstre dans
monstre et compagnie là. Mais attends, il y a un petit chat qui poursuit là, mais t'es qui toi? Mais tu es qui? Eh hey, Pablo là, mais c'est Pablo le petit chat, le petit cube chat, mais il y a marqué Find Letter Cube, je dois trouver apparemment 26 cubes. Ouais bah j'ai un petit peu la flemme hein, honnêtement, c'est-à-dire j'en prends un et après je vais le remettre ici, c'est ça? Hop, oh là là, mais attends, mais il y en a 26. Non mais là j'ai vraiment la flemme. Alors là les amis, j'ai super la flemme. Et après on peut avoir des trucs, on peut avoir des loups, on peut avoir des poussins. Mais quoi on est en train de jouer là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi? Hey, mais what? Mais mec, j'ai une arme! Mais wesh! Attends, mais je me combat! Mais je suis avec des gens! Eh hey, mon petit kiki! Eh ben, tu veux pas m'échanger un petit truc? Wow! Attends, je tire dessus! Mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Mais à quoi on est en train de jouer? Écoutez, j'ai revécu, les amis, c'est parti. On doit toujours récupérer 26 cubes. Ok, donc je suis pas tout seul à placer les cubes. Regardez, ils sont là. Il y a Tenny et il y a Scoot. Voilà, merci, mes petits kiki. Vous êtes vraiment super gentils. Je peux le placer, s'il vous plaît? Voilà. J'en ai que deux. Mais attends, mais. Oui, j'en ai que deux, justement. Et si je leur tire dessus, ça fait quoi? Oh! Meurs de... Quoi? Mais mec, je comprends tellement rien! Je ne comprends rien. Écoutez, on va restart la game. Ça n'a... Attendez, mais on n'est plus du tout dans... Attendez, mais on n'est plus du tout dans Garten. Waouh, waouh, il fait quoi, lui? Mais tu veux quoi? Tu veux que je te... Mais attends, mais wesh! Je suis en train de me faire mêler, là! Tu veux quoi, toi? Tu veux te battre? Qu'est-ce que tu veux, en fait? C'est quoi ton problème, en fait? Toi aussi, tu veux quoi, là? Va-t'en! Mais attendez, mais on est tous en train de se... Mais mec, on est tous en train de se taper dessus, là! Mais tu veux quoi? Mais je suis plus du tout dans Garten of Batman, les amis! Mais à quoi on est en train de jouer, là? Ah, les amis, il y avait un compteur, je viens de finir le compteur. Je peux quand même, s'il vous plaît, un petit peu visiter. Mais je suis un innocent, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois récupérer des cubes, là, mais ça n'a aucun sens. On est plus du tout... Oh! J'ai des œufs. Hop! Hop, j'ai volé les œufs d'Opi la Bird, les amis. Wouh, mais qu'est-ce qu'il veut lui à me suivre? Mais va-t'en toi. Mais t'es qui toi? Mais va-t'en. Waouh, 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 waouh. Attends, mais je me fais toujours poursuivre par des monstres. Wesh, mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mec, c'est censé être Jumbo Josh, ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que tu fais toi, frérot? Mais frérot, waouh, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Là 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 là. Wouh, waouh, c'est Nap Nap ça. Ouais, Opi la Bird. Mais mec, quoi, je suis en train de jouer là. Oh là là, mais mec, si j'avais su que je jouerais à ça un jour dans ma vie, vraiment, je n'aurais jamais cru. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mec, c'est un Garten of Banban, mais version what the fuck. Je n'ai... Mais mec, mais c'est quoi ça? C'est n'a aucun sens. Murder Win, ouais, le Murder Win, mais mec. Oh, vraiment, je n'en peux plus de ce genre de jeu, les amis. Bon, les amis, comme j'avais prévu, le Garten Van Gan là, il n'a littéralement aucun sens. Mais est-ce que vous avez vu la tronche de Jumbo Josh? Sérieusement, c'était n'importe quoi. Bref, écoutez, on a fait celui-là, on a fait aussi celui-là. Maintenant, on va faire Save Ban Ban parce qu'apparemment, il faut sauver Ban Ban. Bon, il dit Save Ban Ban, mais c'est Jumbo Josh qui est sur l'écran d'accueil. Enfin, bah, bref, ça n'a déjà aucun sens avant même de le lancer. Bref, on va le lancer et on va voir ce qu'il en est, les amis. Bienvenue sur Garten of Save Ban Ban. Écoutez, pourquoi pas? On appuie sur Play et. Oh! Mais c'est pas du tout Ban Ban, c'est ni Jumbo Josh, c'est Chef Pixter. Donc, je dois apparemment protéger Chef Pixter, les amis. Voilà, je te protège de la ruche d'abeilles. Ouais! Ok, d'accord. Donc, en fait, on doit protéger les monstres de Garten of Ban Ban, les amis. Eh, wesh, il roule sur lui-même. You win, next. Ok, mais du coup, je peux avoir un personnage réel en mode de Garten of Ban Ban, parce que là, je suis désolé, il n'est pas réel, les amis. C'est juste Chef Pixter. Ce n'est pas un vrai personnage de Garten of Ban Ban. Bon, là, c'est encore super facile. Je fais un rond, comme ça, il se repose sur les cubes, et du coup, il meurt pas par les abeilles. Ok, je peux quand même avoir un monstre de Garten of Ban Ban. Non, ça va être vraiment que être des Chef Pixter. Je peux, s'il vous plaît, avoir des monstres de Garten of Ban Ban. Attends, mais ouais, mais attends, oh, oh, j'ai même pas eu le temps, mais c'est complètement ma boule, lui. Du coup, ça fait ça comme ça, et ça fait ça. Voilà, let's go. Et du coup, il bouge pas. Pour l'instant, les amis, c'est super simple. Est-ce que je peux quand même avoir un petit peu plus de difficulté? Parce que là, on est en train un petit peu de s'emmerder, les amis. C'est un jeu d'enfant, c'est super simple. Mais vraiment, va y avoir que Chef Pixter, là, depuis tout à l'heure. C'est une blague ou quoi, là? Ça ne bouge pas, c'est encore super simple. Donnez-moi de la difficulté, les amis. Bah écoutez, on va terminer par ce niveau parce que là, c'est super simple. Bon, c'est encore une fois super simple. Tac, 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 tac. Voilà, c'est super simple. Donnez-moi un truc plus facile, s'il vous plaît, les amis. Parce que là, je commence à m'emmerder. Bon les amis, je suis arrivé level 11. C'est toujours simple, écoutez, ce jeu est beaucoup trop simple pour moi, on passe à la suite. Bon les amis, ce jeu était quand même super simple. En fait, on a de tout, on a de la simplicité, on a du what the fuck, on a des trucs qui n'ont aucun sens. Bref, on va faire le dernier jeu qui s'appelle Ban Ban Kingdom, et là, ça a l'air vraiment d'être what the fuck parce qu'on a Opi la Bird avec une sorte d'araignée. Donc bref, ça va être, je pense, what the fuck, les amis. Alright les amis, qu'est-ce que... Mais que...
Oh non mais mec, j'en peux plus. En vrai ça va. Bon, c'est des versions Garten of Banban plus cartoon. C'est quand même mignon, ça fait quand même moins peur que le vrai Garten of Banban. Écoutez, on va avancer. Qu'est-ce que je dois faire là? Je peux appuyer sur le truc? D'accord, je ne peux absolument pas ouvrir cette porte. Je suis dans un endroit qui a l'air super grand et qui a l'air surtout d'être plus réel que le vrai Garten of Banban, les amis. Donc écoutez, on va appuyer sur ça. Mon petit Michel. Oh, en vrai ça a l'air sympa. Eh hey, mais attends, mais ce truc je l'ai pas déjà vu. Cette télécommande, les amis, je crois qu'on l'avait déjà vu dans une version de Garten of Banban. Donc allez mon petit Michel, vole. Je peux pas, j'appuie sur les boutons, ça fait rien. Mon petit Michel, tu peux voler s'il te plaît? Allez mon petit Mich. Bon, j'ai l'impression les amis que mon petit Michel ne veut pas voler. Mais du coup je fais comment pour sortir moi? Parce que là je suis un petit peu bloqué. Ah mais non, il faut des piles. Ah oui c'est vrai, il faut des piles les amis. L'autre pile se trouve bien évidemment juste ici. Donc mon petit Michel va pouvoir marcher. Si j'appuie sur le truc, oh stylé. Viens là mon petit Mich. Viens par ici, il est où mon petit Michel? Ah il est là, ah non, attends, reste par ici. Et tu vas taper juste ici mon petit Mich. Allez, comme dans la vraie version de Garten of Banban. Allez mon petit Mich, tape juste ici. Let's go. Mais par contre t'es loin. Oh là là, qu'est-ce que t'es long. Est-ce qu'on va voir du coup Hopi la Bird? Hopi la Kiki, tu es là? Oh oh, Hopi. Mais pourquoi ça s'ouvre pas? Attends, faut taper là aussi. Viens là mon petit Kiki. Viens, tape par ici pour voir. Mais pourquoi le truc il s'ouvre pas? Mec, j'ai tapé sur ça et ça s'ouvre pas. Fallait taper là-bas aussi. Ah oui, il fallait taper les deux. Du coup il y a Hopi la Bird qui est tout là-bas. Oh. Alors, je ne pense pas que ce soit Hopi la Bird, les amis. C'est Hopi la Bird version R&D. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Oh, il fait tout noir. Oh, on ne voit rien du tout, Michel. What? Oh, mec, ça croit. Mais mec, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais what the hell, bro? Ma petite Hopi la Bird, t'as changé. Mais j'ai l'impression que c'est un mélange entre Hopi la Bird et Chouchou Charles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mec, je n'en peux plus, ça n'a tellement aucun sens. Ok, je dois trouver 6 œufs de Hopi la Bird, les amis. Let's go. Et le dernier œuf, les amis, comme dans la vraie version de Garten of Banban, se trouve juste au pied du toboggan. Donc c'est parti. On va donner les 6 œufs à l'espèce d'Hopi la araignée un petit peu bizarre. Donc c'est parti, tiens ma petite Hopi la araignée. Un seul, deux, 3, 4, 5, et le sixième qui est juste ici, voilà. Et tu m'as craché une carte qu'on va pouvoir aller utiliser juste là-bas pour aller prendre le truc pour crocheter les espèces de planches. Voilà, comme dans le vrai Garten of Banban, les amis. Et du coup, oh, bah, c'est un marteau qu'on a. Eh ben, merci beaucoup pour le marteau, les amis. On va aller l'utiliser juste là-bas. Hop là, une première planche, une deuxième planche et on va pouvoir aller... Wesh. Oh, c'est bien. En vrai, ça va, c'est assez bien fait, je trouve. On va pouvoir aller dessus, les amis. Let's fucking go et appuyer sur ça. Wouhou. Et du coup, il y a l'Hopi la Bird araignée là-bas qui va venir nous attaquer. Je pense que ça doit être ça. Je suis pas sûr, mais je pense que ça doit être ça, en vrai. On va voir. Hop, on saute juste ici et là, on va devoir mettre les couleurs. Bah, les amis, je viens de faire la fresque, sauf que, bah, normalement, il y a Banban Lina, mais elle est pas blanche, donc c'est pas pourquoi ça y est pas. Maintenant je ne comprends pas les amis, mais du coup je vais pas me faire attaquer. Ça ne marche pas les amis. Bah écoutez les amis, décidément il y a vraiment rien qui marche dans ce jeu. J'ai fait la fresque au complet, regardez. Normalement c'est vert pour Jumbo Josh, blanc pour Banban Lina, rouge pour Banban, rose pour Hopi la Bird, bleu pour Captain Fiddles et orange pour Singer Flynn. Alors pourquoi ça ne marche pas? Il y a rien qui marche sur ces jeux, c'est pas possible. Voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo sur les arnaques de Garten of Banban. Écoutez, j'ai mis quand même pas mal de temps avant de retrouver des jeux parce que j'ai tellement fait d'épisodes dessus que ça commence à être très difficile à trouver des arnaques de jeux de Garten of Banban. Si ça t'a plu mon petit kiki, oublie pas de poser ton petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche de notification. Nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Wissam, gros bisous à la prochaine. Ciao ciao.